Donc Aïkido, c'est la voie de l'harmonisation des énergies. C'est un art martial japonais. Donc les techniques font appel à un fond assez ancien de techniques japonaises. À l'ère Meiji, c'est-à-dire quand le Japon féodal s'est écroulé, ça a été transformé par un certain nombre de sensei, de maîtres, en arts martiaux, c'est-à-dire des arts adaptés à un but éducatif et non plus guerrier. Donc parmi ces gens-là, Moriya Ueshiba, qui était un combattant d'un niveau exceptionnel, a créé l'aïkido. Ce qui va être la spécificité de l'aïkido, c'est la non-violence et le respect de l'intégrité du partenaire. C'est-à-dire que ce n'est jamais destructif. On cherche à avoir une technique qui mette le partenaire hors d'état de nuire en lui faisant le moins de mal possible, voire, si on peut y arriver, à lui faire prendre conscience de l'inutilité de son attaque. Il n'y a pas vraiment une notion d'esquive en aïkido parce que si, en même temps, on rentre toujours au cœur de l'attaque du partenaire. C'est-à-dire qu'on y rentre et au moment où on sera en opposition de force, on pivote ou on glisse de manière à ne pas avoir d'opposition de force. Il n'y a pas besoin d'être super fort, d'être super musclé. On ne fait pas appel à la force physique personnelle, mais à la force de l'autre. Il faut savoir être humble devant les gens qui ont plus de pratique, plus d'expérience et savoir écouter, quoi. L'Aïkido Club de Rouen aura bientôt 30 ans, la saison prochaine, et il compte environ 130 adhérents. C'est donc un des plus gros clubs de France. Nous avons un cours tous les soirs de la semaine, plus des cours le mercredi après-midi pour les enfants et les adolescents. Il y a 7 professeurs qui s'occupent des différents cours et qui sont tous bénévoles.